Je vais vous raconter le secret du plus gros scandale financier américain qu'on était trop jeune pour avoir connu. Une fraude qui a fait dégringoler le cours de l'action de la société de 99,9% et qui a fait perdre près de 60 milliards de dollars aux personnes concernées. Et aujourd'hui, on va parler de l'affaire Enron. Je suis pas sûr que le nom Enron y parle à beaucoup de gens, et pour cause, l'entreprise, elle existe plus depuis bientôt 22 ans, comme en témoigne le cadavre d'un de leurs sites internet. À la base, Enron, c'est une entreprise tout ce qu'il y a de plus banal. Une société américaine créée en 1985 à Houston, au Texas, qui opère dans le secteur de l'énergie. Un peu l'équivalent de Total chez nous, si vous voulez. Enron est connu pour avoir vécu une ascension fulgurante. En une quinzaine d'années à peine, l'entreprise est passée de 10 milliards de dollars d'actifs à près de 70 milliards. Mais ce qui a beaucoup fait parler au début des années 2000, c'est surtout sa chute qui était tout aussi impressionnante. Tout s'est écroulé en l'espace de quelques semaines à cause d'une sale histoire de fraude. Bref, c'était vraiment pas des acteurs de confiance qui étaient proprement régulés, comme le sponsor de ma vidéo par exemple. Merci à Yomoni de sponsoriser cette vidéo. Yomoni, c'est un service d'épargne programmé qui permet de simplifier et de démocratiser les services financiers, assurance vie, PEA, PER, pour tout le monde. Et c'est pas seulement une petite phrase marketing, c'est la réalité. Et pourquoi j'en suis sûr? Parce qu'avant de maîtriser suffisamment les outils pour gérer mes propres investissements, j'étais moi-même client chez Yomoni. L'interface est agréable et 100% digitale. Fini les produits de banque à l'ancienne où on vous envoie tout par courrier. Tout est lisible rapidement en un coup d'œil sur leur dashboard. Leur site web est ultra complet pour apprendre à épargner et à investir. Ils ont également des conseillers à dispo pour répondre aux questions et vous accompagner dans toutes les démarches. L'investissement est piloté, c'est-à-dire que vous avez rien à faire une fois les fonds déposés. Yomoni s'occupe tout seul de piloter votre investissement à l'aide d'experts et de robots advisors. Mais c'est pas pour autant que vous avez la main sur rien, vous pouvez choisir entre différents niveaux de risque ou encore des produits financiers responsables en termes d'écologie ou de social. Les performances passées préjugent pas de performances futures, mais c'est vrai que les performances ont été remarquables jusqu'à présent, même quand j'étais encore client. Par exemple, si vous étiez client chez Yomoni depuis leur lancement en 2015 en profil de risque 5, vous auriez eu une performance totale de 22,5%. Évidemment, le résultat n'est jamais garanti et tout investissement présente un risque de perte en capital. La plateforme est accessible des 1000 euros d'investissement pour permettre à un large public de rejoindre Yomoni et les frais sont très réduits par rapport aux produits de bourse traditionnels. Comptez 1,6% contre 3,6% de moyenne chez les autres opérateurs. Je vous invite à aller faire une simulation d'investissement sur yomoni.fr pour voir concrètement à quoi vous pouvez vous attendre selon votre profil. Et nous, on continue notre histoire. Pour comprendre le scandale Enron, il faut se pencher sur ses acteurs, à commencer par Kenneth Lay, le PDG de l'entreprise. Issu d'une famille plutôt pauvre, il enchaîne les petits boulots dès l'adolescence pour subvenir aux besoins de sa famille. Comme souvent dans les histoires d'entrepreneurs qu'on a déjà traitées, Kenneth il développe de grandes ambitions et il rêve de devenir riche pour pouvoir mettre sa famille à l'abri, comme le dit si bien un artiste très connu. Il avait anticipé assez tôt que le marché de l'énergie, et notamment celui du gaz naturel, tendrait de plus en plus vers une déréglementation financière en l'ouvrant au secteur privé. Les réglementations très strictes du secteur ont été progressivement supprimées, permettant alors à n'importe quelle entreprise privée d'entrer sur le marché et de fixer ses propres prix. En 1984, à 42 ans, Kenneth est à la tête de la Houston Natural Gas, qui se fait racheter à peine un an plus tard par la société Internorth, et Enron va naître de la fusion des deux entreprises la même année. C'est également à ce moment-là que Kenneth en prendra les commandes. Pour faire grossir son nouveau bébé, il a vite su s'entourer de mecs qui partageaient son aspiration, qui se sont par la suite montrés prêts à franchir la ligne de la légalité pour y arriver. Et l'homme le plus important de l'entourage de Kenneth, c'est Jeffrey Skilling. Kenneth se considère comme un visionnaire et a vu en Jeffrey un homme aux mêmes ambitions révolutionnaires. Pour Kenneth, Jeffrey incarne tout le potentiel du secteur de l'énergie. Il a l'intelligence, les idées et surtout le culot. Impressionné par ses talents, Kenneth crée Enron Finance Corp en 1990 et y embauche Jeffrey en tant que PDG. Jeffrey, il va alors prendre de plus en plus de place dans les différentes sociétés du groupe et occuper des postes de plus en plus hauts. Avec Enron, le but de Jeffrey, c'est d'établir une culture où la loi du plus fort prévalait. Selon lui, seuls les meilleurs méritaient de survivre. Il avait bien compris que l'argent était la principale motivation de ses employés. Pour inciter à la performance, il a même mis en place un système de notation des employés brutal et agressif qui a contribué à créer une atmosphère de compétition, en particulier chez les traders, souvent décrits comme des requins, pour changer. C'est d'ailleurs Jeffrey qui aura l'idée révolutionnaire à l'origine du destin d'Enron. Il était hyper frustré à cause des limites imposées par le flux physique des pipelines et il voulait trouver une nouvelle façon de livrer l'énergie. Alors petit à petit, au tournant des années 90, la société va commencer à adopter un nouveau business model autour du trading de l'énergie en offrant des produits financiers à ses clients. Et même si elle est en train de se transformer et diversifier ses activités, à la base, Enron, c'est quand même une société qui produit et qui vend du gaz. Et de ce côté, les personnes au poste les plus importants de chaque filiale du groupe vont enchaîner les décisions
catastrophique. Vous allez voir, c'était un délire. La société a essayé de mettre en place des infrastructures super coûteuses pour extraire du gaz naturel dans le monde entier, un gaz principalement constitué de méthane qui peut être extrait en milieu terrestre ou marin avant d'être traité et livré aux consommateurs. Les infrastructures, elles représentent un investissement de plusieurs milliards de dollars, évidemment, duquel Enron n'a tiré aucun bénéfice à cause des méthodes risquées et ultra douteuses utilisées. Ils ont par exemple construit une centrale électrique à Dabhol en Inde et ils ont obtenu des contrats de fourniture d'électricité à long terme avec le gouvernement du pays. Sauf que le projet s'est vite cassé la gueule. D'abord, les coûts de construction ont largement dépassé les estimations et sont montés à plus de 2 milliards de dollars. À cette époque, personne n'était assez fou pour investir en Inde dans le secteur de l'énergie, et à raison. Entre les problèmes de corruption, la demande en énergie inférieure aux prévisions, les difficultés d'approvisionnement régulier en gaz naturel du gouvernement indien pour faire correctement fonctionner les centrales, le projet sera un échec financier pour Enron et la société va se retrouver incapable de générer les revenus prévus. Sauf que le problème, c'est que les patrons d'Enron, ils ont promis des primes de plusieurs millions de dollars à leur cadre basées sur des bénéfices imaginaires qui se sont jamais matérialisés. Du coup, il faut absolument trouver un nouveau projet pour masquer ses pertes et maintenir l'apparence d'une boîte en bonne santé. Et vite. C'est comme ça qu'en 96, Enron rachète Portland General Electric dans une tentative d'étendre la société dans le secteur de l'électricité. Enron en a également profité pour y transférer une partie de sa dette, impactant négativement la santé financière de PGE. En 97, Enron est confronté à un scandale lié à sa filiale Enron Oil, chargée de l'exploitation des puits de pétrole. Sous les ordres du PDG de la filiale Louis Borguet, les traders s'amusaient à manipuler les gains et à détruire les rapports quotidiens de la société. Du coup, impossible de connaître les bénéfices réels de la boîte puisque les rapports étaient tout simplement faussés. Ils redirigeaient aussi fréquemment les profits vers des comptes personnels et c'est ainsi qu'un certain Monsieur Yass a reçu une petite enveloppe. Et quand je vous dis Monsieur Yass, vous voyez pas le souci? Eh ben ce monsieur n'existe pas, mais les traders aimaient troller les analystes en envoyant de l'argent à des comptes qui portent littéralement le nom en anglais de mon cul. Au secours! Bref, ce beau monde finit par se faire virer, Louis fait de la prison et Kenneth, il fait rien. Ça a l'air de lui en toucher une sans faire bouger l'autre. Enron Oil, c'était la seule filiale du groupe qui réussissait à faire du véritable argent, alors hors de question de tuer sa poule au jeu d'or. Du coup, il était plus que nécessaire pour Enron de réussir à finir de s'imposer en tant que plateforme de trading du secteur de l'énergie. Fin 99, sous l'impulsion de Jeffrey Skilling, Enron développe un outil qui lui permet de tripler son activité commerciale et devient rapidement une référence dans le domaine. Le groupe crée une plateforme de transactions en ligne appelée Enron Online, qui permet aux acteurs du marché de consulter les prix et de passer des ordres d'achat et de vente en temps réel. Enron devient donc le plus grand acheteur et revendeur de gaz naturel des États-Unis. La seule condition de Jeffrey pour mettre en place ce nouveau business était d'obtenir l'accord d'utiliser la méthode comptable du mark-to-market. Et je vais essayer de vous vulgariser de la comptabilité d'actifs de manière pas chiante. On s'amuse, cher disque, non? En gros, c'est une vérification quotidienne de la valeur des actifs, pas en fonction de leur prix d'achat, mais de leur valeur réelle sur le marché. Je veux dire, imagine que je possède une action dans une entreprise. Sa vraie valeur, c'est pas le prix auquel je l'ai acheté, mais le prix actuel du marché. Prix qui est donc soumis à de multiples variations et qui peut changer chaque jour. La Securities and Exchange Commission, la SEC, l'organisme de régulation financière aux États-Unis, a pas vu de souci à la demande de Jeffrey et a donné son accord pour que Enron utilise cette méthode comptable. Méthode comptable qui d'ailleurs est tout à fait légale et légitime si elle est correctement utilisée. Mais c'est là que ça va devenir intéressant. Parce que grâce à cette méthode, Enron pouvait donc comptabiliser dès le jour de la signature d'un contrat les bénéfices potentiels futurs. Même si ces bénéfices n'étaient pas encore réalisés, ils pouvaient les enregistrer dans leur compte et leur rapport financier et ainsi donner l'illusion de profits actuels beaucoup plus élevés qu'ils ne l'étaient. Lorsque le mark-to-market est utilisé correctement, il suppose que les estimations de la valeur future sont basées sur des informations crédibles et des prévisions raisonnables. La manipulation d'Enron est résidée dans le fait qu'ils avaient un contrôle total sur ces estimations. Ils pouvaient choisir les hypothèses qui leur étaient favorables et exagérer les perspectives de profit. Ils ont manipulé le marché et ils ont utilisé délibérément des estimations irréalistes et agressives pour gonfler artificiellement la valeur future de leur contrat en ne tenant absolument pas compte des risques réels d'un marché aussi volatile. En gros, ces abrutis, ils avaient juste à dire « Bah tiens, dans 10 ans, notre mégawatt, il vaudra 500 000 dollars !» Et puis hop, c'était inscrit dans les comptes pour montrer au monde entier que la boîte se portait super bien. T'imagines si je pouvais faire ça? Vous inquiétez pas les investisseurs, j'aurai bientôt 400 000 abonnés, c'est sûr. Comment je le sais? Parce que les gens vont s'abonner en masse en cliquant sur ce bouton juste ici. Je suis Enron. Et au début, eh ben ça fonctionne. Si tu veux espérer pouvoir intégrer le marché de l'énergie, t'es obligé de passer par Enron un jour ou l'autre et de dealer avec eux tellement ils pèsent. Grâce à cette approche, le groupe est devenu le plus grand grossiste de gaz avec pour l'année 2000 des transactions d'une valeur située entre 15 et 22 milliards de dollars par trimestre. Enfin ça, c'était les chiffres donnés par Enron, hein, pas sûr de pouvoir s'y fier et on va vite le voir. Le 12 février 2001, Jeffrey est nommé PDG du groupe Enron et remplace Kenneth. La communication
la société devient de plus en plus agressive et vante sans cesse le côté révolutionnaire d'Enron Online. Leur slogan « Ask Why » est matraqué dans chacune de leurs apparitions et on va vite voir à quel point il était ironique. Jeffrey était profondément associé à Enron et considérait l'entreprise comme une extension de lui-même. Il se décrivait même en disant « Je suis Enron ». Sauf que le Jeffrey, il avait un passé de parieur et il adorait prendre des risques, qu'ils soient financiers ou non d'ailleurs. Alors que Kenneth aimait les visionnaires, le nouveau PDG d'Enron, lui, préférait les personnalités plus extrêmes. Il recherchait des individus audacieux, prêts à prendre des risques pour réaliser des objectifs ambitieux. En 99, l'action Enron avait grimpé de plus de 50% et à la fin de l'année 2000, à près de 90%. Pour tout Wall Street, Enron, c'était la boîte qui ne pouvait pas faire d'erreur. Le leader de toutes les sociétés qui s'inscrivent dans une nouvelle économie et une nouvelle façon de faire les choses. Alors quand le magazine américain Fortune a commencé à les saucer en mode « Waouh, c'est vraiment l'entreprise la plus innovante de toute l'Amérique, mec, je suis américain !» Alors là, les mecs se sentaient plus pissés. Surtout qu'ils ont été nommés dans le classement Fortune 500 par le magazine plusieurs années à la suite. Mais faut savoir surtout qu'une grande partie de la rémunération des employés était constituée d'actions plutôt que de salaires. C'est souvent le cas dans les grosses boîtes, mais dans ce cas-là, c'était dramatique. Et du coup, les employés eux aussi ont tout intérêt à ce que le cours de l'action reste élevé. La santé financière de l'entreprise, elle est visible partout. Par exemple, le prix de l'action est constamment affiché dans les ascenseurs de la société, le monde entier est obsédé par le cours de l'action Enron, ils continuent leur croisade en mode « c'est des génies » et ils présentent sans cesse des résultats stables, aucune perte ou presque, des bénéfices de plus 10 à plus 15% chaque année. Sauf que dans les faits, c'était l'inverse. Le cours de l'action ne montait pas, bien au contraire. Enron, toujours en quête avide d'argent, va alors s'attaquer à tout un état américain. La Californie. Vous vous souvenez quand Kenneth parlait au début de sa carrière de la déréglementation du prix de l'énergie? Et bah en 96, la Californie fait passer une loi sur ce sujet justement, à cause de la pression exercée par les entreprises privées du secteur, et les prix vont pouvoir être fixés librement par chaque entreprise. Et en 2000, l'état tout entier est marqué par une crise énergétique sans précédent. Ils ont 40 000 km de lignes électriques, bien assez d'électricité pour alimenter tout le monde, et pourtant plusieurs blackouts en hiver. Pas à nous, Jean-Jacques. Pas à nous, tu nous caches un truc. Derrière ces coupures électriques se cachaient des manipulations d'Enron visant à exploiter chaque faille et chaque lacune de cette nouvelle déréglementation du marché de l'électricité afin de maximiser leurs profits. En gros, les traders d'Enron, ils vont surbooker les lignes de transmission d'électricité qu'ils contrôlaient. Hey, this is David up at Enron. There's not much demand for power at all, and if we shut it down, could you bring it back up in 3 or 4 hours? Oh yeah. Et il disait aux fournisseurs californiens, si vous voulez utiliser nos lignes, payez-nous. Au moment où les fournisseurs acceptaient à contre-cœur de payer, les blackouts avaient déjà eu lieu dans tout l'état et les prix de l'électricité avaient continué à flamber. Un documentaire sur le scandale Enron a révélé des enregistrements de la salle des traders où on les entend glousser et se satisfaire des conséquences de la crise énergétique qu'ils ont causée. During the height of Wednesday's blackout, fire crews had to free people trapped in elevators. Oh, my, you guys stole from those poor grandmothers of California? Yeah, Grandma Millie, man. But she's the one who couldn't figure out how to fucking vote on the butterfly ballot. Now she wants her fucking money back for all the power you've charged right up her ass. En exploitant cette crise énergétique, Enron a pu encaisser près de 2 milliards de dollars en quelques mois à peine. Ils s'en foutaient complètement de l'éthique, tant qu'ils pouvaient complètement dépouiller un état tout entier. Entre cet épisode et celui où Jeffrey, pourtant PDG d'une énorme boîte, traite de connard un journaliste lors d'une conférence téléphonique, you're the only financial institution that can't produce a balance sheet or a cash flow statement with their earnings. Well, thank you very much. We appreciate it. Enron commence à avoir des fissures apparaître dans son image publique. En parallèle, les filiales de l'entreprise comme Enron Energy Services ou celles de Vidéo à la demande, parce que oui, ils avaient ça, eh ben, elles enregistrent des pertes financières phénoménales. Mais malgré ces mauvais résultats, Kenneth dépense sans compter et achète tranquillou un nouveau jet hyper cher pour l'entreprise, qui fait qu'accroître les inquiétudes quant à la gestion financière de l'entreprise. Il faudra attendre mars 2001 pour qu'une journaliste du magazine Fortune du nom de Bethany McLean ose à son tour Ask Why. Vous l'avez, rapport à leur slogan? Ah, oh, on fait des petites blagues. Alors qu'elle devait écrire un article sur le groupe et qu'elle regardait leurs rapports financiers, quelque chose lui semble louche. Enron prétendait chaque année atteindre ses objectifs et afficher une bonne santé financière. Ok, très bien. Comment l'entreprise faisait du bif concrètement? Et bah, ce qui est incroyable, c'est que personne ne s'est posé la question avant Bethany, justement. C'est lunaire. Et à cette question, Jeffrey est sorti de ses gonds. En gros, il l'a traité de hater en disant que les gens qui posent ce genre de questions ne sont pas éduqués, ne savent pas de quoi ils parlent et essayent juste de mettre à mal la société. The criticism, I think, is kind of ridiculous. Il s'est montré hyper condescendant et a sous-entendu qu'elle était même trop bête pour comprendre en quoi ces questions sont carrément hors sujet. Le mec, il a vu l'opportunité de maltraiter une journaliste qui commençait à comprendre l'entreprise. Tourloupe et il a foncé droit dedans. Bethany a été la première à émettre publiquement des doutes sur Enron. Son article intitulé « Is Enron overpriced ?» En gros, est-ce que Enron est surcoté en bourse, a tourné partout, suggérant que la valeur de l'action d'Enron en bourse était trop élevée par rapport à sa véritable valeur. Mais à la fin de son article, Bethany n'était pas en mesure de prouver qu'il y avait bel et bien un problème grave chez Enron,
à part le fait que son directeur financier, Andy Fastow, était impliqué dans des partenariats entre Enron et certaines de ses propres sociétés. Ça aurait pu être vu comme un conflit d'intérêts, mais le conseil d'administration d'Enron a approuvé cette pratique et tout était apparemment correctement déclaré dans les rapports financiers. Face à cet article, Jeffrey, il adopte une position défensive et évite de remettre en question les pratiques d'Enron. Quand on soupçonne l'entreprise d'être une boîte noire, c'est-à-dire une entreprise qui fait exprès utiliser des transactions comptables super complexes pour cacher sa réelle santé financière. Sorry, it's true. I mean, it's just difficult for us to show people the specifics of how money flows through, particularly the wholesale business. Jeffrey sous-entend que c'est pas de leur faute si leur travail est compliqué et trop difficile à comprendre pour le grand public. Il continue alors à encourager les investisseurs et analystes à leur faire confiance les yeux fermés sans pour autant fournir de preuves sur la manière dont circule l'argent. Le mec, jamais il se remet en question. Mais Bethany, elle continue à creuser et à analyser les flux financiers d'Enron et elle va y remarquer des incohérences qui correspondent pas aux explications fournies par l'entreprise. Grâce à elle, on arrive enfin à mettre en lumière certaines zones d'ombre de l'entreprise, ses critiques font naître de plus en plus de doutes chez le public et conduisent à ce qu'on se tourne vers un autre acteur de la fraude, Andy Fastow. Andy Fastow, c'était le directeur financier d'Enron et une figure centrale dans le scandale qui a entouré l'effondrement de l'entreprise. Son rôle consistait à mettre en place des partenariats financiers complexes, et surtout très opaques, entre Enron et des entités qu'il contrôlait secrètement lui-même. En gros, son rôle, c'était de cacher que la boîte devenait le Disneyland de la finance. Andy, il idéalisait Jeffrey et il aurait tout fait pour le rendre heureux. Il devait donc constamment trouver un moyen de faire grimper l'action Enron tout en cachant que le groupe était endetté à hauteur de près de 30 milliards de dollars. Mais quand tu commences à mentir sur des produits financiers, c'est fini. Au début, tu te dis que bon, traficoter un peu quelques chiffres, c'est pas très grave. Et puis le trimestre suivant, l'action baisse encore, donc tu recommences. Et le trimestre après, encore pareil. Bref, ça fait un effet boule de neige. Andy, ce qu'il faisait, c'était de créer des centaines de sociétés spéciales connues sous le nom de Special Purpose Entities. Et ces sociétés, elles avaient qu'un seul but, soutenir l'action Enron en effectuant des transactions financières avec la société. Ces SPE, elles étaient censées être indépendantes d'Enron, mais en réalité, elles étaient complètement contrôlées par Andy lui-même, qui s'en servait pour y répartir la dette et les pertes d'Enron et ainsi les masquer aux yeux des investisseurs. Et Andy, il s'amusait. Il appelait les différentes sociétés Jedi, Raptor, Chuko, enfin faire un effort au moins. Du coup, Andy avait un conflit d'intérêts évident, il était à la fois le directeur financier d'Enron et le propriétaire ou le gestionnaire des SPE. Le mec avait le champ libre pour faire toutes les transactions qu'il souhaitait et continuait à créer une fausse image de la santé financière de l'entreprise, fondée sur des bases inexistantes. Et Jeffrey savait ce qu'il faisait en plaçant Andy à un poste aussi important. Tout le monde chez Enron savait plus ou moins qu'Andy avait pas une éthique irréprochable. Lorsque les choses allaient mal, Jeffrey n'avait qu'à fermer les yeux et laisser Andy trouver une solution, même si c'était pas très éthique du moment que ça les sortait du bourbier dans lequel ils étaient. C'était pratique d'avoir Andy se charger du sale boulot. Ça a permis à des mecs comme Kenneth et Jeffrey de se retourner contre lui lors du procès et de s'en servir comme bouc émissaire. Mais le juge a pas cru un seul instant que dans une si grosse boîte, un seul boug a causé à lui seul une telle catastrophe sans que personne ne soit au courant. Et surtout, Kenneth, Jeffrey, le conseil d'administration, 5 ou 6 banques différentes, tous avaient signé et accordé des fonds à l'entreprise principale d'Andy, appelée LGM. Les plus grandes banques d'investissement américaines ont investi chacune jusqu'à 25 millions de dollars. Absolument tout le monde était OK pour que le directeur d'une grande entreprise mondiale fasse des affaires avec lui, même à travers ses entreprises privées. Et c'est ça qui est complexe avec l'affaire Enron. Elle est entourée d'un nuage de fumée où tout le monde semble mentir et dissimuler des choses, mais personne ne parvient réellement à mettre le doigt sur ce qui se passe, notamment dans une si grosse société, ça peut pas aller si loin. Il y a des règles et des méthodes de contrôle pour empêcher ce genre de fraude ou au moins la tuer dans l'œuf. Les avocats, leur boulot, ça aurait été de dire non, c'est pas légal ça, Coco, arrête. Mais même les comptables, ils auraient dû dire non, tu ne fais pas ça. Les banquiers, les analystes financiers, tout le monde aurait dû dire que quelqu'un chiait dans la colle. Mais non, absolument personne n'a fait son job. C'est une des plus grandes affaires de corruption au monde. Tous les acteurs qui auraient dû réagir sont fait charmer par le charisme de Jeffrey et Kenneth et ont été ravis de recevoir un pot de vin pour faire semblant de rien remarquer. En plus de ça, les analystes avaient quasiment tous investi beaucoup d'argent dans les actions Enron. Ils ont fait confiance au rapport financier présenté par la société et à sa direction. Chaque fois que quelqu'un soulevait une question à laquelle il pouvait pas répondre, la réponse c'était « je vais appeler Jeff pour savoir ». Les analystes financiers, ils analysaient rien du tout. Les autres analystes qui ne croyaient pas à leurs mensonges devenaient automatiquement les ennemis d'Enron. Andy avait par exemple posé un ultimatum à la banque Merrill Lynch, soit vous trouvez un analyste qui nous soutient et qui nous kiffe, soit on fera aucun business avec vous. L'analyste concerné a d'ailleurs été licencié immédiatement car aucune banque aurait osé manquer l'opportunité de bosser avec
avec Enron à l'époque. En récompense, Andy a confié à la banque en question deux missions d'investissement d'une valeur de 50 millions de dollars chacune, et leurs analystes ont pu recevoir de très grosses primes. Et très vite, on a pu vraiment vu de haters d'Enron dans les banques avec lesquelles la société faisait affaire. Les gars d'Enron savaient parfaitement s'entourer et comment récompenser leurs prestataires. Le cabinet d'audit et de conseil Arthur Andersen a ainsi empoché près d'un million de dollars par semaine en 2001 pour ses services auprès d'Enron. Par semaine ! C'était plus ou moins la même chose pour leur cabinet d'avocats principal, Vinson et Elkins, qui étaient aussi de mèche. Comme tout le monde recevait des pots de vin, personne voulait voir la boîte couler. Lors du procès, ils ont tout de même tous essayé de jouer la carte de l'ignorance et ont prétendu ne pas être au courant des activités illégales d'Enron. Sentant que ça commençait à vraiment puer, les plus haut placés des différentes sociétés Enron ont commencé à revendre leurs actions en masse. En février 2001, peu de temps avant que la fraude ne soit révélée et que la société ne fasse faillite, Kenneth a vendu environ 4 millions d'actions, soit la moitié de ses actions d'entreprise, pour un montant total d'environ 300 millions de dollars à l'époque, soit plus d'un demi-milliard aujourd'hui. Il a affirmé les avoir vendus pour rembourser des dettes et financer d'autres investissements et a toujours nié toute l'implication dans la fraude. En août 2001, Jeffrey quitte soudainement son poste de PDG, invoquant des raisons personnelles et surprend tout le monde. Dans une entreprise de cette taille, notamment quand tu démissionnes, c'est pas sur un coup de tête. Son départ précipité, ça va être un autre indicateur des problèmes qu'il y avait en coulisses. L'architecte de la fraude commençait à vraiment sentir le vent tourner et a choisi de quitter le navire. Il vend environ 1,1 million d'actions Enron pour plus de 60 millions de dollars, ou 115 millions à l'heure actuelle. Il espérait certainement pouvoir quitter le groupe avec le plus d'argent possible et surtout que la société puisse encore tenir un an ou deux, malgré les prévisions financières désastreuses, et ainsi éviter qu'on le tienne pour responsable. Kenneth décide alors de revenir et le remplace en tant que PDG d'Enron. Toutes ces reventes des patrons d'Enron ont suscité l'attention des investisseurs et des autorités de réglementation. C'est bizarre, si t'as rien à te reprocher et que ta boîte fonctionne aussi bien que tu le dis, pourquoi tout revendre en masse et ne plus croire à ton bébé? Tous ces mensonges, ils ont créé une illusion gigantesque, et tant que personne ne remettait en question la réalité, la fraude pouvait continuer. Pour les juges et les journalistes, il était impossible que les PDG des différentes filiales ne soient au courant de rien alors que leurs sociétés coulaient les unes après les autres et qu'ils se sont mis à dilapider leurs actions tous en même temps. La dernière personne à avoir joué un rôle clé dans la révélation du scandale Enron, c'est Sharon Watkins. Après la démission soudaine de Jeffrey, elle est placée sous les ordres directs d'Andy Fastow et elle découvre vite des irrégularités comptables dans ses partenariats. I was highly alarmed by the information I was receiving. En analysant les fichiers Excel, elle réalise que les chiffres sont bel et bien manipulés par quelqu'un et ne correspondent pas du tout à la réalité. Elle s'interroge alors sur la validité de l'accord signé par le cabinet Arthur Andersen et décide d'alerter immédiatement Kenneth, qui a un truc pas net qui se trame. Elle en profite pour lui conseiller de révéler la fraude au grand jour avant que des journalistes ne s'en occupent, conseil que Kenneth ne suivra pas. En octobre 2001, tout s'effondre. Le Wall Street Journal publie une série d'articles qui exposent toutes les transactions douteuses d'Andy, ce qui incite alors la SEC à lancer une enquête. C'est pas trop tôt! C'est à ce moment que les investisseurs et les experts extérieurs à tout ça comprennent que les prétendus bénéfices tirés du mark-to-market étaient totalement bullshit et en réalité des pertes. Lorsque Kenneth a informé les employés de l'enquête de la SEC, le cabinet d'audit Arthur Andersen a entrepris de détruire de nombreux documents concernant Enron. Au 21 octobre 2001, le cabinet avait détruit près d'une tonne de papiers et à ce moment, Kenneth continuait pourtant de mentir et de rassurer les employés et les investisseurs sur la santé financière du groupe. Il soutiendra même dans ses premiers discours qu'Andy avait agi de manière éthique et appropriée. Vraiment, on croit rêver. Plus tard, Kenneth finira par laisser entendre qu'Andy avait agi complètement seul et en profitera pour rejeter toutes les responsabilités sur lui. Au total, les gens au courant de la fraude ont réussi à revendre pour plus d'un milliard de dollars leur action Enron dans les mois qui ont précédé l'éclatement du scandale. Enron annonce une perte de 1,2 milliard de dollars de fonds propres et Andy est licencié fin octobre 2001. Il est accusé de fraude, de complot et d'autres crimes liés à sa manipulation des états financiers d'Enron. Il va plaider coupable afin de réduire sa sentence en promettant de coopérer avec les autorités dans le cadre de l'enquête sur les autres cadres d'Enron. Jeffrey Skilling fait face à 28 chefs d'accusation, parmi lesquels fraude, complot, délit d'initié ou encore fausse déclaration au cabinet d'audit. Il est reconnu coupable en 2004 de 19 d'entre eux, alors qu'il a toujours clamé son innocence et affirmé que tout ce qu'il a fait était dans l'intérêt des actionnaires de l'entreprise. Il sera libéré de prison le 21 février 2019 après avoir purgé une partie de sa peine. Lorsqu'on les interroge sur les 300 millions de dollars que Kenneth a pu récupérer en primes et en revente d'actions, lui et sa femme sont incapables de dire où l'argent est passé, maintiendront que l'argent s'est envolé sans plus donner de précision. Kenneth, lui, va mourir d'une crise cardiaque en 2006, à peine un mois après avoir reçu la décision de la justice qui le condamnait à plusieurs dizaines d'années en prison. Le cabinet d'audit Arthur Andersen est condamné pour entrave à la justice en 2002 et mettra la clé sous la porte. En 2005, la Cour suprême des États-Unis annule cette condamnation sous prétexte que les preuves étaient trop vagues, mais le mal était déjà fait. La réputation du cabinet était morte et enterrée et il a dû cesser son activité. La chute, de toute façon, elle va aller très vite. Les banques retirent leur soutien et les agences de notation massacrent
massacre l'entreprise. Entre septembre et novembre 2001, le cours de l'action est passé de 40 à 0,26$ contre 85$ avant l'éclatement de la bulle internet un an plus tôt. Le 2 décembre 2001, Enron se déclare officiellement en faillite, c'est la plus grande faillite de l'histoire américaine. Créera un précédent pour toutes les prochaines entreprises. Environ 27 000 employés se retrouvent alors sans emploi et quittent le groupe avec une indemnité moyenne de seulement 4 500$. Mais le pire, c'est que les salariés ont subi une perte collective de plus d'1 milliard $ sur leur compte de retraite. Comme Enron encourageait ses employés à investir dans des fonds de pension basés sur les actions d'entreprise, leur épargne retraite dépendait grandement de la performance de ces actions. Et lorsque la fraude a été révélée et que les actions d'entreprise se sont effondrées, les salariés ont tout perdu. D'autres 45 000 petits investisseurs ont perdu tout ou partie de leur économie. À mi-2003, les créanciers et les actionnaires d'Enron ont estimé leur perte à plus de 60 milliards $, c'est-à-dire plus de 100 milliards $ en 2023. Le scandale a eu un véritable impact sur les lois et la réglementation financière aux États-Unis. Il a mis en évidence les lacunes du système et a conduit à des réformes majeures visant à renforcer la transparence et la responsabilité des entreprises cotées en bourse, mais aussi celle des cabinets d'audit et une meilleure protection des investisseurs. Si maintenant vous avez envie d'entendre une autre histoire de fraude et de tromperie dans le monde de la finance, allez voir ma vidéo sur Bernard Madoff qui traite de la plus grosse arnaque au Ponzi au monde.